tellement le... And who might you be? Une sorte de confrontation psychologique entre Tenemesis, le prédateur, et son chasseur, et l'inverse également, qui se regarde un peu en chien de faïence, arme à la main et à la gorge, face à face. I'm not sure that I know anymore. Bonsoir, Frank. Might I at least learn the reason of your presence? That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So like a tree. Indulge me. Something, someone, is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. I've been hunted down in the streets and attacked. I'm a victim here, too. I believe you. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. Je vais tenter un truc. Quand tu as le Y et que Zelog, c'est que la réponse va influencer l'histoire. Le perso, tu peux par exemple perdre définitivement des indices en disant une bêtise lors des dialogues avec ce Y. D'accord, ok. Je suis tenté de faire un truc. De mettre, de manière totalement paradoxale, de mettre le cardio pour un jeu où on incarne un prédateur vampirique. Je suis très tenté de faire ça. Je sais pas ce que vous en pensez. What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. The docks have always been, shall we say, somewhat unsavory. But this is different. How different? A vampire is at work here. Famished. Reckless. It must be brought to ground, and quickly. Qu'est-ce que c'est que cette confrérie de Saint-Paul? Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time. Je ne suis pas prêt. I heard another voice, that of a woman. Who were you talking to? Ridiculous. I've no idea what you're talking about. Something tells me not to trust you. Then the feeling is mutual. Parfait. Aidez-moi dans ce then cas. Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. What, I was your aggressor? That explains a great deal. We are both chasing the same shadow. Ah! Le choix! Non. No, we are not. I seek the cruel predator who brought this upon me. This is my personal affair. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. He's mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? Non, j'ai envie de jouer le revanchard. I'll end him. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Je pars du principe que quand il y a dans des jeux de cette nature la possibilité d'avoir un choix, c'est qu'on part aussi du principe que dans la grande majorité du cas, on va avoir une forme de consensualité dans le choix. Or, tester les limites. Est-ce que je peux fouiller ton chez-toi et dépouiller ta maison,
tranquillement. Hop là. Ouais, je voudrais juste dépouiller ta chambre avant d'y aller. C'est pas désagréable, c'est pas désagréable. Ok. Salut et merci pour l'info. Merci Tuck Dubourg. 8 mois de soutien, un très grand merci à toi. Salut Soras. I cannot enter. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. Evening, sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. Dis-moi la vérité. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight. And I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please, tell me what's going on. It's Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was gonna clock someone. Désossé quelqu'un. Moi, je sais pas, quand je suis contrarié, je sais pas, je prends mon doudou, je le renverse. Je désosse pas des gens. Merci Picklerik, merci beaucoup, un très grand merci à toi. Merci infiniment. Merci beaucoup. Cher rappel, cher public, plus tu obtiens des indices en leur parlant et en leur reparlant, plus le PNJ rapporte des XP. Absolument. Plus le PNJ rapporte des XP, plus le PNJ te rapporte des XP quand tu le tues. Le jeu est bien pensé car du coup tu dois découvrir l'histoire du PNJ avant que tu le tues pour maximiser l'XP. Ce qui t'apporte une forme de conscience. C'est quoi comme doudou? Genre d'araignée. What happened tonight? He was dead drunk as usual. My God, his eyes, his face. He must have caught something awful. He shouted and cried. It was terrible. Why are you so afraid? I mean his skin. Je peux t'apprendre. His hands. I scrubbed every glass and every chair that he touched. God, I hope it's not contagious. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor. Who worked at the cannon factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, Will started to get very aggressive. Je le verrais bien, Ventru. Thank you for your candor. I'll be sure to talk. Franchise. Franchise. Obtenue à la force. Welcome back. Did you find what you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. William, parle-moi de ton monde natal. Tom, talk to me about the visit from your old friend William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Pourquoi me Why lie to me if he is not your friend? I didn't lie. I said you were my only unannounced customer, and that's the truth. Who is he? William. Just an old sailor who loves his gin too much. He worked for years at the canning factory before it closed. J'ai envie de tous les vider de leur sang. Is he dangerous? Yeah. Tellement... Like many drunks, he's all bark and no bite. He can barely stand up most of the time. How was he tonight? Was he different? Sicker than usual, perhaps. He whined and mumbled about how mean people were to him and how he'd like to talk to me outside.
And then he left when I refused. Je dois le trouver. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What'd you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Hello, sir. May I disturb you again? And you're still ugly as sin. Ouais. I'll leave you to your La violence. Rien de plus. Leave me alone. Look, I told you everything. Pour l'instant. La patience, c'est la première loi de la prédation, donc patience, patience. Je ne fais que ça. Merci Fenris. Ah, l'ambiance. Délicieuse. Ah, je suis tellement... J'espère qu'il n'y aura pas trop d'action, ou alors de l'action pas trop bourrine. Et c'est très bête comme, comme détail, mais vous voyez le son, la différence, et quand on passe en, on entend le bruit des gouttes sur le plancher. Oui, j'aime pas que. It's locked. L'appareil sur la tôle. I cannot enter. Presque envie de ne fonctionner que comme ça. Pas longtemps, j'aime bien. C'est vrai, mais ça manque aussi. L'ASMR goutte de pluie. On peut monter là-haut? Dommage. Rien par là. Rien par ici. Aller en haut? Non. Hein. Dommage. Oui, Christina. I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to this city? Très, très beau. Il est pas parfait, mais il a deux, trois leviers d'ambiance, d'atmosphère, qui ne laissent pas indifférents les personnes qui n'ont pas de personnalité comme moi. Tout à fait, Quincy. Rejoignez la flotte britannique dès aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous au bureau de recrutement le plus proche. J'y travaille. D'accord, ok. Je cherche des rats. Ok. The body is still warm. This man has just been drained of blood. Bien, ce n'est que le début pour moi, mais merci pour ces soirées meurtrières. Merci beaucoup, Bien. Je sais pas comment ça se prononce. Bien. Merci beaucoup. Un très grand merci à toi. Très très grand merci à toi. Je suis d'accord avec toi, Gaff Knight.
This man was armed. He tried to defend himself. C'est ballot. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. What's this? Some sort of note. Temps d'octobre. Ah, patrouille des docks. Multiples morts dans la zone des docks. Nous pensons qu'un de ces satanés suceurs de sang est le responsable. Trouvez ce monstre. Éliminez-le. Au plus vite. Attention, selon nos dernières informations, ce vampire est extrêmement violent. Restez très prudent en l'approchant. Je sais que nous manquons d'hommes dans cette partie de la ville. Mais n'envoyez pas des bleus enquêter sur cette affaire. Si mon intuition est la bonne, nous avons affaire à un véritable fou furieux qui tue toutes les nuits. Comme toujours, fouillez d'abord les endroits abandonnés comme les vieilles maisons, les sous-sols, les égouts, les entrepôts désaffectés. Détruisez ce suceur de sang, mes frères! Des bisous, j'y sais. Ok. These men, they're a company of professional vampire hunters. Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. Non. J'ai tout fait. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Ouais, je suis d'accord. Quand il fait ça, en fait, hein, ça casse un peu le truc. Ça manque la dynamique de mouvement, elle est un peu bizarre. Hein. Là, on sent que t'es dans un jeu vidéo. Après, pourquoi pas, peut-être que la tenue va changer le... Je savais pas le mouvement, mais malgré tout, le style. Ouf. On va y aller par là. Je préfère marcher, quoi. Du bruit. Juste ici. Chasseur. Ça sent l'affrontement. Très bien. Ça sent l'affrontement. Qui donc est ici? Ok. Est-ce que je peux y aller? Je peux cacher. J'ai envie d'y aller mollo. Je veux tellement. Je veux pas assommer comme ça. Tu réfléchiras deux fois, mon petit bonhomme. Quelqu'un ici? Il manque quand même un petit effet d'infiltration. Lucas, il explose les caisses, quoi, regardez, hop là. Juste en marchant. Ouf. Chemise propre. Alors, une arme à distance. J'ai déjà ça. Dans un PNJ, pense à regarder l'XP quand tu tues un chasseur. Puis l'XP que rapporte un PNJ amical. Oh, d'accord. Ammunition crate. Good. I may need a lot of bullets. Ça manque une phase d'infiltration. Je vous jure, en fait. Ce jeu, il me demande, il m'invite littéralement à jouer à Deus Ex. Pas Human Revolution parce que je l'ai fait, déjà celui-là, et que je suis pas nostalgique des jeux. Mais Mankind Divided, que je n'avais pas fait.
Ça doit être ça. C'est... Oh! Uniquement les jeux avec des barbichettes. Hein. Ouais, elle n'était pas présente, l'infiltration. J'adorerais l'infiltration. Ouais. Sir, step away. J'aurais adoré l'effet d'infiltration. Vraiment? Tu voulais que je reste à distance? Ain't safe here for a gentleman. Tu vas faire quoi? Over there! There's one of them vermin! Donne-moi ta vie. Qu'est-ce qui m'a fait arrêter? Exactement, Gaffnet. C'était la puissance sur le stream et tout a changé depuis. Je sais pas si tu l'as remarqué. C'est énorme d'infiltration quand tu es la voix pacifiste. Ah non, mais... Alors, qu'on soit bien d'accord, moi c'est hors de question de jouer un jeu en mode pacifiste. J'ai qu'à m'acheter des jeux Martine à la plage, Martine fait du cheval, si je veux jouer un jeu pacifiste et être victime de ce que je vois, non. Je sais pas, je veux que ça bouge, je veux tenter les expériences. Ouais, tout à fait, Gaffnet. Mais ceci grâce à vous, hein. Ça, vraiment. C'est grâce à tous les soutiens sur les Tipeee, qui permettent de pousser la 4G, hein. Et d'avoir la data qu'il faut. Regardez. Yeah! Non, je fonçais vers les tonneaux quand tout à coup... un script est apparu. Ah, oui. Très bien. Regardez, hop, attention. Danger. Toi bien, hein. J'ai juste marché. J'ai envie de faire des jeux d'infiltration, sérieux. J'avais adoré le 1. Qu'est-ce que tu vas faire? Donne-moi ton sang. Quoi? Chut. Chut. C'est toi que je veux. Éventreur de tonneaux. Je veux casser tous ces tonneaux. Je suis tonophobique. Quand j'étais petit, ma maman m'a beaucoup caché dans les tonneaux. Dès que je vois un tonneau, j'ai extrêmement peur. Donnez-moi tous ces tonneaux. Oh là là, le gars, mais... Juste. Si, pas mal. Non, je suis beaucoup plus... Oh, je peux me téléporter dans des tonneaux explosifs. Non, ou... Oh, c'est génial. Une inspiration particulière. Wakfu. Non, pas spécialement. Attention. Oh, génial. Ma téléporte fait exploser les tonneaux. Genre, si on me surprend, c'est pas moi. Hein. Est-ce que vous m'avez vu toucher au tonneau? Je ne crois pas. Il faut du sang. Du vrai. Regardez, hop. Tonneau. C'est pas moi. Je suis pour rien.
Waouh. T'as détruit les tonneaux avec ses chaussures. Est-ce qu'ils nous en parlent là? Yes. Tu veux vraiment entendre leur cri? Tu préfères pas tenter d'entendre le tien? Oh, il manque vraiment une dimension infiltration, c'est vraiment dommage. Jouer sur le thème du vampire sans infiltration, c'est un peu un petit gâchis. Après, je dis pas si tu as vraiment du matos pour être je dirais un peu sale, pourquoi pas. Mais là, ça manque de... Je suis le mur. Vraiment? Vraiment? Ah, tout à fait. Je vais avoir un souci avec la société protectrice des tonneaux. J'arrive. Ah, ça me... Je pense que je vais prendre... Est-ce que je l'ai, le dernier Deus Ex? Est-ce que je peux, par exemple? Voilà, très bien. Vraiment? This is no place for a gentleman. I like their screams when you burn them alive. Stay close, keep an eye on each other. Vraiment. À tout de suite. Steady, boys. We've got one of them here. Get a weapon. Donne-moi ton sang. À toi. Donne-moi ton sang. Oh. Où est-ce que vous êtes? Ok. Vraiment. Est-ce mieux ainsi? Meurs. Plus de maîtrise. Un tout petit peu plus. Oh, alors lui, il va être. Donc Tenori. Tenori. MC la sorcière. Viens là, MC la sorcière. Viens. Oh, ratatouille. Great Pride. Great Flocon. Ah, c'est agréable. Tu joues le jeu comme il devrait être joué. Ah. J'ai dit que je leur donnais à Serra des noms de viewers. Et comme ça, comme si je mangeais les petits viewers. Des petits viewers goûtus. Ouf. Un petit goût de praline. C'est vrai qu'il est super bizarre. Il devrait marcher tout le temps comme ça. Mais attends, pourquoi... Mais... Sérieux? J'avais pas capté. Les mecs! C'est quoi cette tradition? C'est pas l'heure de la brochette? Bah d'abord là, on parle. Donne-moi ton sang, intéressant.
Je sais que certains de nos compagnons considèrent que notre plus grand avantage de notre lutte contre les suceurs de sang est qu'ils ne peuvent pas sortir en plein jour. Ainsi, nous pouvons trouver où ils se cachent et les tuer lorsqu'ils sont impuissants pendant leur sommeil. C'est une erreur de débutant. Tout d'abord parce que les vampires sont intelligents et qu'ils sont d'innombrables ruses et subterfuges. Geysure, ça fait longtemps que je suis pas venu et je vois le grand maître en suceur de sang. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Peut-être parce que je suis nu. Attends, non, c'est pas ce que je voulais dire, Non. Pardon, Geysure, merci beaucoup, un très grand merci à toi. Alors, Perlan entre ensuite parce qu'ils mettent en place de nombreux pièges pour tuer quiconque s'introduirait dans ce qu'ils considèrent comme leur refuge le plus précieux. Chercher l'arc-échelle des vampires pour les éliminer nous coûterait trop d'hommes et trop de temps. La meilleure des tactiques, c'est de les suivre et de les détruire lorsqu'ils sont vraiment vulnérables, lorsqu'ils chassent la nuit. Il est bien plus facile de les attaquer à ce moment-là car on peut facilement les repérer. C'est pour cette raison que la garde de Priwen doit évoluer et mettre en place de nouvelles tactiques pour chasser les suceurs de sang. Il faut utiliser de petites patrouilles mobiles et tirer profit de nos avantages technologiques et les moyens de communication modernes. Nous pouvons apprendre beaucoup de guerres en France. Nouvelles tactiques, nouveaux équipements et nouvelles armes. Grenades, phosphore, blanc, lumière ultraviolette, gilet pare-balles et lance-flammes. Il est temps pour la garde d'entrer dans le 20e siècle. Apprendre à lancer un sort. Alors c'est marrant parce que ça me rappelle un moment dans Blade où, à un moment donné, lorsque c'est dans Blade 1, lorsqu'il croise Frost, donc son ennemi juré, il le croise en plein jour. Et il le croise non seulement en plein jour, mais il le croise donc dans un parc. Et le moment est complètement surréaliste. Parce que, alors qu'ils sont en négociation, il croise donc l'ennemi juré qui est un vampire dans le parc. Et véridique, je ne me souviens pas exactement du dialogue, mais le dialogue disait à peu près un truc comme ça. Disait, t'as Blade, donc, qui regarde son ennemi de toujours, un vampire, et qui fait, toi, en plein jour, de la crème solaire, malin. Et la Némésis qui fait, eh ouais. Sans les claquements de doigts, mais le moment est un peu surréaliste. Crème solaire, pour réussir à survivre. Il fallait penser. Nom d'un fichtre. De petits poulets. Mais pourquoi personne n'y a pensé avant? Ils sont benés, ces vampires. Un claquement de doigts, ça aurait été mieux. Ouais. Je me souviens, dans le script juste avant, il disait « Attention, le feu est dangereux. » Non. Ton masque. Attention, ton masque est en train de couler. Oh, hop, oh, oups. J'ai honte, jamais vu de Blade. Je sais même pas ce que tu fais sur ce live. Je pense que je suis choqué. Hein. Quoi? Oh! Vraiment? Ose? Vraiment? Continue. 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 À mon tour. Je t'ai laissé pourtant tellement de chance. Viens la Juxu. Viens là, Shona. Jajo. Viens là, Jajo. 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 Dératisation. Yes. Oh, Blood Angel. Je suis pas répugnant, oh, ça va. Tout le monde a mangé du rat.
Mais non, Max, c'était même pas du fail. C'est trop. Faut imaginer le chasseur de vampires avec son tromblon lance-flammes. Il tire une fois sur John. John se prend le coup, il recule. Il tire une deuxième fois. Il voit qu'il continue d'avancer lentement. Mais certainement, indéniablement, sur lui. Il lui a laissé 3 fois, 4 fois, jusqu'à sa mort. Tout à fait le délire. Je vais voir s'il n'y a pas une touche d'inversion. Est-ce qu'on peut pas activer plutôt vibration? Ouf. Courir, maintenir. Maintenir, non. Est-ce que je peux pas juste activer, désactiver la marche? Pas plus simple. C'était A+. Oh, négatif, tout fait. Ah, c'est moche, on va pas activer, désactiver. Ah, c'est dommage, c'est dommage. C'est vrai. Parce que là, je suis obligé de courir comme un... Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Attention. Je suis un destructeur de tonneaux, de père en fils depuis des générations. Oh. Ok. La hache. Oui. Tellement sale. On va voir niveau équipement. C'est quoi? Faut user. Ah. Rien que le bruit de la faut user, mais... Rien que le bruit du métal dessus, ça me... Ah. Main gauche, main droite. Je crois que j'ai un problème, les gars. Je crois que j'ai vraiment un problème. Main gauche, main droite. Non, j'ai tellement pas envie d'utiliser d'armes à feu. Sérieusement, j'ai vraiment pas envie. Je crois que j'ai vraiment, vraiment un problème. Non, je veux juste le virer de là. Détail changé, ouais. Ouais, on va regarder ça. Par contre... Mais non, je veux pas... D'accord, ok. Mais je veux pas... Bah non, c'est fichtre. C'est pas ce que je veux. Ah, d'accord, ça y est, j'ai compris. Ok. Une main de main. C'était tout l'enjeu. Oui, non, mais tout à fait. Mais c'est en plus, c'est la logique, j'aurais dû y penser. Parce que dans un épisode des survivants, il y a un survivant, à un moment donné, il a une faux. Pardon pour le spoil. Quoi? Non, je veux ma faux! Je veux ma faux! Main droite. Non, mais comment ça se fait que...
Ok, c'est le soin, c'est très bien. Non. Je veux poser ma faux. Alors. Je veux juste sortir ma faux. Bien sûr. Ok. Ah, merci. Ah. Oh. Excusez-moi. J'adore les plaisirs simples. This creature is bedeviled. I must put it down. Vraiment, William. Oh, William. William. Oh. Ah. C'est tellement moche. Mais pas que le selfie. Combat est très important. Eh bien, je le découvre en live et c'est pas moins important. Très bien. Très bien. Tu utilises plus d'enduit qu'une arme à une main. C'est vrai. C'est vrai, j'utilise plus d'endurance. Mais je veux utiliser la faux. Oh. C'est dommage. C'est dommage. On va voir comment je me débrouille. Sans. Salut les gars! Alors, comme ça! Allez! La faux! Ok. Alors, comment ça se fait que je n'utilise pas de matraque? Le puits usé, non. Ah, voilà. Alors, oui. Je veux changer. Non. Comment ça se fait qu'il le met pas? Alors. Sérum, non. Bonsoir, Lyrus. Je veux juste mettre... Ah, changer, c'est parfait. Machette usée. C'est très bien. Ah! On va revenir à l'essentiel. Parfait. Enfin! Ah, c'est dommage, j'adorais le concept de la faux. Tellement. Je regrette qu'il n'y ait pas plus d'optimisation là-dessus. Ça aurait été tellement délicieux. Là, je me sens un peu obligé de jouer sur la rapidité. Salut vous. Donne-moi. Ah.
Vraiment? Vraiment? Essaye! Je te dis essaye! Donne-moi ton coup! Essaye! D'accord. D'accord. Non, j'ai pas vu. Sub, merci beaucoup. Subcar, merci infiniment. Très très grand merci à toi. Très très grand merci à toi. Merci infiniment. Faut vraiment que j'améliore l'endurance. Ah. Faut que j'améliore non seulement l'endurance, mais... faut que je détruise tous ces tonneaux qui me parlent mal. Bon, j'ai compris le principe de pas mal de choses. Ah, il faut vraiment que je prenne la manette à force. La violence. Heureusement qu'il n'y a pas de loot dans les caisses, parce que avoir du loot dans les caisses, ça aurait été tellement contre-ambiance. Vraiment. Tellement dommage. Là, on revient vers la position de départ. On va partir chercher William. William. I cannot enter. William. Ah. Il me faut ta vie, William. J'arrive, William. Alors, dis donc, William. J'arrive. Ah, il me semble qu'ici il y avait. Merci, Cherries. I have this. Be happy. Of blood. I can't believe I'm doing this. Exécuteur? Oh! J'arrive. Il manque quand même la phase. Oui! Vraiment? Pourquoi pas? C'est vraiment dommage qu'il me manque. Ah, il me semble avoir croisé un truc là, non? Il me semble avoir croisé un truc, un petit F, des familles. Oh! Un peu. Petit abri. Tout à fait, absolument, Lios. Du coup. Dis donc, monsieur, on ne dort pas de cette manière, monsieur. Morceau de papier. Alors, hop. Nous avons les PNJ, les enquêtes. Cherchons ce qui doit l'être. C'est ici on le sauvegarde. Là, c'est l'artisanat, c'est évident. D'accord. Mais quand même. Non, je peux pas faire dodo. Je n'ai pas le temps pour ces bêtises. Oui.
début. Bip bip bip. Il est sorti il y a 2 jours, je crois. Oh, des XP. Corps, 100, il faut que j'augmente. Ouais, la jauge d'endurance, en vrai. C'est ma raison d'être. C'est vraiment, c'est tellement, ça fait tellement le café. Ça. Niveau 6. Invisibilité. Non. Ah, il y a un pouvoir d'invisibilité. Tactique. Charge. Non, non. Je vais déjà prendre déjà le premier truc qui me fait défaut. Qui est l'endurance. Non. Salut, que penses-tu de jeu ? J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je regrette qu'il n'y ait pas la partie un peu de... Comment dirais-je ? D'infiltration. Mais néanmoins, toutefois, je trouve l'ambiance excellente. Genre, vraiment excellent. Alors là, il considère que le jeu est sauvegardé, c'est ça, hein ? Est-ce que c'est bien ça? Je peux améliorer. Alors. L'anémie. Non. Ah. Amélioration. Vitesse d'attaque. Une grande lame souvent utilisée par les marins. Ou les pêcheurs. Qu'est-ce que ça dépense? Alors, qu'est-ce que ça dépense? Morceau de poignet. Ah, c'est du pimp. D'accord. C'est du pimp. Ok. Comment t'inflige des dégâts? Je peux. Les dégâts ou la consommation diminuent. Ouais, les dégâts, de toute façon... Disons que si l'ennemi... Oh, je peux prendre les deux. Bah, très bien. Parfait. Excellent. Pour l'instant, on reste toujours au début du jeu, hein, de toute façon. Hein. J'ai envie de rester vraiment à l'arme blanche. Oui. William. William! J'annule les dégâts? T'es sûr? Que t'es sûr de ton coup? Non, non, j'ai pas du tout annulé les dégâts. Vitesse d'attaque. Alors, bim! Non, non. Rien annulé du tout. Un costume en veste léopard. Oui. Il y a écrit où entre eux. D'accord, à Lunaire. Bon bah voilà, c'est pas grave, j'ai pris le meilleur des deux. William. Discutons de notre désaccord, William. Bah dis donc, monsieur. On fait pas de la flûte comme ça, monsieur. Dis donc, faire un ou deux tonneaux avant d'arriver. C'est pas grave, j'annule les dégâts, c'est pas grave, c'est très bien. William! 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 William. William, my arm. I can't feel it. William. This creature is bedeviled. I must put it down. Vraiment, William? Discutons-en, William. J'ai dit quoi, William? William!
William! William! Disque ton sang! William! William! J'ai dit quoi, William? Dis donc, William, ce n'est pas très respectueux. Dis donc, William. Donne-moi ton sang, William. J'ai dit quoi, William? Oui. Un tout petit peu d'entraînement. Maintenant, on discerne un tout petit peu mieux le plaisir. Stop. Ah. Donne-moi d'abord le William. Let me go. Vraiment? It's not too late. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? We knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. Oh, with no! A... Madame a un énorme pieu. Certain scales are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by Skull? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Anglais? Can you help me? I believe, sir, I already have. Mon Dieu. Elle peut aussi détruire des tonneaux. George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. Yes. Go with a good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, cool. I'll be a step closer to understanding what happened. Je prends vraiment to me. Énormément de plaisir. Il y a une. Alors encore une fois, le jeu n'est pas parfait. Loin de là. Mon Dieu, un fan de l'Égypte. This poor creature can't be my maker. Le jeu n'est pas Could it be parfait. Subspecies of au final, il n'y en a pas beaucoup qui I le must sont. Find hein. a place to analyze the blood. Mais il y a des détails qui sont assumés et qui partent au bout de leurs idées. Excusez-moi, je vais d'abord détruire le tonneau. Voilà, ça va bien. Qui lui donne vraiment du style hein. Faut vraiment que je me procure une minute Xbox contre mon gré. Où elle est là-haut alors? Elle pouvait y aller l'autre. Pourquoi moi je veux pas y aller? Pourquoi l'autre pouvait et pas moi? C'est pas très gentil. Mais attends. Pourquoi le mec a accroché une un squelette par la hanche! Monsieur! Ces bonhommes ne sont pas des chauves-souris! Tout à fait, quand est-ce qu'il commence à critiquer? Est-ce qu'il y a un truc au bout comme dans les jeux? Attention! Ça par contre c'est le genre de truc en jeu j'ai horreur. Regardez, hop là. Ça,
Non, non, je l'ai essayé sur la... Je l'ai essayé, je l'ai pas fait fonctionner, là. La manette PS4. Présentez RAM. C'est vrai, Star. J'avoue. L'ambiance, la musique... Ouais, je peux réessayer, Clem, hein. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William, c'est cool, c'est trop cool. Hein. Des rames sur un bateau moteur. Predator, prey. Oui, oh, laissez le scénario. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? Non, j'ai rien lancé du tout. Who is she? What woman? No, don't play me for a fool. You used me to locate that. Skull, you must know who she is. And I thought you were a gentleman. You shouldn't talk about a lady tranquille. Behind her back. Le mec est à l'aise. She values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle pas of the tout, canal? Clem. If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea. I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious the brotherhood of St. Paul's Stone, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A non, physician, tu peux pas savoir, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed. A surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it! I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Excellent. Have we une qualité de doublage, hein, I attended three of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again, from a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Vous êtes fan de Fast and Furious un peu. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital as a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother, but alas, that was before contracting this affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed. Il avance pas le bateau. A place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice. But yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Amitié, amitié. Change de vêtements, d'accord. Très cool. Merci, Clem. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane. For I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost two more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rotor in the morning. In the meantime, find a...
Good bed for Mr. Hamilton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy? Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky Merci to have Viking. Gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. Oh, le style. Only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming.